Salut à tous, c'est Philong, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans ce nouvel épisode de Pokémon Uranium, où nous sommes toujours en train de progresser vers la ville suivante. Et le défi du jour, et oui, bande de petits malins, les défis sont de retour. Et le premier défi, vous m'avez gâté car je vais devoir jouer pendant 10 minutes avec les pieds. Donc vous allez voir, le setup sera magnifique. En tout cas, on va pas faire ça tout de suite. Il faut que je me chauffe d'abord. Salut les amis, aujourd'hui nous allons voir comment nous échauffer rapidement et efficacement en seulement 3 étapes. Ces 3 étapes sont 1. Galérer dans des combats Pokémon sur une route maritime. Bonjour. C'est quand même, c'est quand même long le passage de la ville à l'autre. Oh, Cell Kid. Mais c'est moi ça. C'est moi l'homme Cell, le garçon Cell. Bah oui. Vous ne le saviez peut-être pas, mais Cell Kid, c'était mon surnom quand j'étais petit. Maintenant, on m'appelle Cell... Cellman. Et quand j'étais ado, on m'appelait Cell Boy, évidemment. Mais j'ai même été Cell Baby à une époque. Et je devrais arrêter de faire des blagues de merde. Oui, Philong, s'il te plaît. Ah, si tu pouvais fermer ta gueule... Vas-y, Michel Oiseau, flinch! Michel Oiseau qui esquive toutes les attaques. Mais attends, mais c'est incroyable quand même. Michel Oiseau, il commence à me décevoir là. Doucement mais sûrement, j'avoue que Michel Oiseau est en train de me... Je sais pas quand même, hein, parce que je me demande si c'est pas le... Un peu comme les roues carnage finalement que t'avais dans Rouge et Bleu. Des Pokémon qui étaient très très forts à la base, mais qui sont beaucoup moins forts maintenant. Je suis pas sûr. Oh, il m'a confus. Falouz. Je ne sais pas. Je ne peux pas. Et je reste planté là. Allez, easy, voilà, très bien. Swimmer Mélanie. Ah! Silverport Town! Oh, des châteaux de sable! Oh, la petite musique! Bonjour. Il fait plus froid vers le nord. Je ne peux plus porter ma mini-jupe tous les jours. Arceau! La musique est très très belle. Silverport a été fondée... comme un avant-poste de pêche. D'accord. Et les gens sont des pêcheurs. Super. Qu'est-ce qui se passe ici? Ah, c'est quoi? Oh mon dieu, mec, t'es tellement laid. Mais coupe-toi les cheveux. Sois chauve, je sais pas, mais fais quelque chose. Putain. On dirait... comment il s'appelle l'autre, là? Sylvain Duris. Mais c'est tout à fait lui. Salut Sylvain, ça va? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qu'un enfant fait là? Tu fais de la recherche pour des professeurs. Tu travailles pour qui? 3 petits points. Oui, professeur Bambou. Je n'aurais jamais pensé qu'il serait devenu un académicien. Mais ce monde est plein de surprises. Tu sais, nous sommes allés dans la même université. Oh mon dieu. Et un jour, quelqu'un m'a accusé de plagier du travail. Salut, c'est Matt. Moi, un génie comme moi. Comme moi, Sylvain Durif. Le Christ cosmique qui plagie le travail de quelqu'un d'autre. L'idée est complètement stupide. De toute manière, cette université était nulle. C'est pour ça que j'ai fondé ma propre firme de recherche. D'accord. Mon dieu, c'est la musique de la Team Rocket. Depuis... Vu que tu es le protégé de Bambou, tu peux regarder le lab, d'accord, oui. Impressive, non, pas vraiment, c'est tout petit ton truc, c'est nul. D'accord. Ne touche à rien. Et tu vas bientôt partir, d'accord. Merci du soliloque. Oh mon dieu. Ils vont cloner des Pokémon. Bonjour. Oh non, il a l'air triste. Il veut parler à quelqu'un. Il a l'air d'être... Oh, le Pokémon Speech Translator, ok. C'est vrai, je peux traduire les Pokémon.
Tu dois m'aider. Ces gens sont très méchants. Ils me mettent dans une position, dans une bowl inconfortable et me tapent avec des trucs qui piquent. Et j'ai très faim. Oh mon dieu, non, j'ai été repéré. Tu peux comprendre ce que Houghton est en train de dire? Qu'est-ce que c'est que ce device dans ta main? Oh non! Oh non, 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 non. Ça ressemble à la machine de traduction qui est dans les Cypress Labs. Oh non, non, non. Il va me forcer à le prendre. Oh mon dieu, il veut que je lui donne. Je ne veux pas imaginer qu'il voudrait, que tu devrais le donner, enfin le donner à moi en fait. Oh mon dieu. Oh, il veut me payer 100 000! Oh, des Pokémon forts! Oh mon dieu, je suis... Non! Non, j'ai pas fait de promesse, non! Il dit, je suppose que t'as fait de promesse. Non, 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 donne-moi un Pokémon rare. S'il te plaît, mec, fais pas ta pute. Oh non, putain, il va me défier. Je te promets sur la tête de ma mère, je prends le Pokémon. Non, ils vont lui faire du mal! Très intéressant. Non, ils ont fermé la porte. Mon Pokémon, je t'aurais donné. J'aurais vendu mon cul pour toi, Sylvain Durif. Je suis le grand monarque. C'est-à-dire qu'en fait, j'incarne l'énergie du Christ cosmique. Reviens! Ouvre-moi ta porte! Allô? Allô? Je voulais un Pokémon rare. Oh, c'est quoi ce truc? Ok. Putain, j'ai la haine. Bon, c'est pas grave. Magnifique. Et c'est tout cette ville, il y a que ça. Je crois qu'il y a que ça dans cette ville. Attendez. Il y a pas d'arène, je crois. OK. Ah oh. La Team Rocket s'envole vers d'autres cieux. Oh non! Non! Je savais que c'était la musique de la Team Rocket. C'est ça, ils veulent le translator. Il m'a pris mes Pokémon. Je me fais victime! Je me fais victimiser! Par la Team Rocket! Je suis inconscient! Non! Je suis en prison! Oh, j'avais pas mes Pokémon pour me battre! Abusé, putain! Je savais que tu serais sans puissance si je te prenais par surprise. Putain, mes Pokémon! Si tu as fait tes Pokémon pour te défendre, t'es juste un petit enfant. Oui, c'est vrai. Please understand. Je ne voulais pas te causer des blessures, mais je ne pouvais pas te laisser partir avec ce prototype. Je voulais te le donner. Je t'aurais donné tout pour un Pokémon rare, Sylvain Durif. Mais t'es vraiment un fils de pute, hein. La recherche, l'industrie de recherche de Sylvain Durif a été sous l'eau depuis longtemps. Ah non, d'accord, donc genre, oui, c'était près de la faillite. Je dois beaucoup d'argent à certaines personnes. Mais maintenant qu'on a ce truc pour traduire les pensées des Pokémon, tout ira bien. Voilà, on va en créer des copies et puis on va les vendre. Très très bien. Allez là, je veux me battre. Faut que je joue avec mes pieds. Attendez, je vais jouer avec mes pieds maintenant. Ok. Vous êtes prêts? Ok. Vous êtes prêts? Je sors mes pieds. Attention. Ah! 10 minutes! Ok. Je suis chaud. Attendez. Je me prépare. Je mets... Ah! Vous voyez mes pieds là? Voilà, vous voyez mes pieds sur le clavier? Ok, regardez, j'appuie sur A. Ok. Attendez. Hop. Attendez, je vous le prouve. Attendez, vous voyez rien. Bon, allez, vous avez vu. On va dire que vous avez vu. Ah putain, ça va être dur. Ok, c'est bon. Non, tombe pas, clavier de merde. Ok. Voilà, c'est bon, j'ai le clavier. Oh oh oh. C'est bon, je suis bien là. J'ai une bonne position, je maintiens le clavier avec ma main. Ok, alors. Oh mon dieu. Je veux... Laissez-moi sortir. Oh. Je ne veux pas utiliser les toilettes, ok.
Qu'est-ce que je fais? Je vais essayer d'aller faire la sieste dans le... Attends, il y a un mur là. Il y a quelque chose de bizarre à propos de ce mur. Ok. D'accord. Il n'a rien à faire. Voilà. Take a rest in the bed. Je peux dormir dans le lit. Ok. Oh mon dieu, c'est difficile. Voleur. Et toi? Réveille-toi, il y a de la food. Mange. Tu n'as pas très faim. Il y a une note sous le lit, sous le pain. Je ne peux pas te dire qui je suis, mais je veux juste que tu saches que je ne pense pas que le professeur fait des choses bien. Kidnapper un enfant, c'est pas bien. Je ne peux pas être vu en train de t'aider. Tout ce que je peux faire, c'est te dire quelque chose. Il y a un truc dans le mur. Oui, d'accord, ok. D'accord, super. Allez, le password est 92. Ok, parfait. Attention, vous êtes prêts? C'est parti. Oh mon dieu! Je sors, je me casse. Ah! Oh! C'est le Pokémon super-héros Garlikid. Garlikid. Il te reconnaît. Regardez cette organisation. Ok. Garlikid, ok. Vas-y, je vais te sauver, Garlikid, attends. Attends, mais je joue avec mes pieds, c'est très compliqué. Ok. Ah! Par la fils... Ok. Voilà. Oh non! Oh non! Je dois écrire avec mes pieds! Ah putain! C'est trop dur! Non! Là! Bon, putain! Putain! Ok. 9! Qu'est-ce que je fais? Dors, release. C'est bon, j'ai libéré Garlikid. Ok. Garlikid. Il est désolé de la dernière fois que vous avez combattu. Il est content que tu l'aies sauvé. Et il vient avec toi, d'accord, super. Vas-y Garlikid, on est bien. Magnifique. Regardez, attendez, je vais essayer de vous montrer ma position quand même. Voilà, là vous allez voir là, regardez. Regardez, voilà, alors là j'ai mon pied. J'ai mon pied qui est comme ça. Hop, regardez. Voilà, j'ai mon pied qui est comme ça, sur la barre espace. Et j'appuie avec mon pied. Là vous voyez mes magnifiques chaussettes charentaises. Donc là regardez, par exemple, je vais avancer sur le côté. Ok, alors attendez, parce que... Là, vers le haut. Ok, faire A. C'est ok. Ok, d'accord. Donc je me remets. Ok, je me remets. Ok, je me remets en position, c'est bien. Garlikid est déçu qu'on puisse pas sortir, d'accord. Ok, viens Garlikid, on va aller là. Ok, Garlikid, là il est très fort. Il va péter les barreaux. Garkid, oh mon dieu. Il a défoncé le truc. On va pouvoir sortir. Oh mon dieu, il s'est téléporté sur moi. Ok. Vers le bas. Oh, trop stylé. Ok. Voilà. Qu'est-ce que tu fais? Mais oui, mais j'ai pas mon équipe là. Du coup, j'ai que Garlikid. Oh mon dieu. Vas-y, Garly, fonce. C'est quoi, il est type combat et plante, c'est ça? Ok, Drain Punch. Il est type ténèbres, ce truc. Ouais, easy. Easy, les mecs. Easy. Putain, je commence à avoir des... Ah, je vais avoir une crampe. Allez, Drain Punch. Quoique, le mieux contre lui, en fait, c'est pas Drain Punch. Je pense que c'est Giga Drain, mais bon. Ah ouais, surtout après Run Defense. Alors attendez, il faut changer d'attaque maintenant. Alors, heureusement que je suis souple de mes pieds. Hein. Voilà. C'est bon. Garlikid. Easy. Sors, connard. Bonjour. Je suis un méchant.
Oh putain, Garlicky, défonce-le, mec. Défonce-le. Ils ont que des Pokémon qui sont faibles à Garlicky. Putain, type plan de combat, c'est fort. Putain, je commence à avoir une crampe à la jambe gauche, c'est horrible. Non, pas de paralysie. Ta mère! Putain, pourquoi une paralysie? Ah, tu sais, mais j'ai mes items, je vais pouvoir me soigner. Ça, c'est type sol. Ok. Oh non! Oh non, il va me faire du paraflinch. Coup critique en plus, non, c'est bon. Ok, easy. Putain, il a l'air trop stylé, Garlicky, en vrai. C'est quoi, c'est un légendaire ou quoi? C'est quoi ces dégâts? Putain, c'est autre chose qu'avant, hein. Super scientiste. Ok. Ok. Alors, attendez. Pokéball. You got your Pokédex, Pokéball et Pokébag. Ouais, vous avez compris. Sors. Sors. Pas par là. Stop. Mais putain. Mais... Stop. J'arrive pas à sortir. J'arrive. Ok. Oh mon dieu. Salut. Salut Sylvain Durif, ça va? Toutes mes recherches, toutes les notes que les trucs ont prises. Ok, cette chose les a toutes détruites. Ah, Garlicky trop puissant. Mais ha ha ha. Tout le temps que j'ai ceci, ça n'a pas de souci. Voilà, il a pris mon truc. Bah, je vais te le reprendre. Allez, j'en ai marre de te traiter bien. Mec, t'as ramené des Team Rocket pour me défoncer. Oh mon dieu. Oh mon dieu, le combat. Le combat avec les pieds. Professeur Sylvain Durif veut se battre. Ben, à l'âge de 5 ans, en fait, j'ai vu sur mon lit danser des serpents et des singes. Oh non, il est où Garlicky? Il est où Garlicky? Vite. Attendez. Putain. Non, Garlicky! Garlicky! Putain, cancel. Ok, et... Putain de... Ta mère! Fight! Voilà, Dazzling Gleam. Il est type ténèbre, donc Dazzling Gleam, c'est super efficace. Putain, et en vrai, Michel Oiseau, tu tapes comme une bite. Mais abusez ce Pokémon! Michel Oiseau! Je vais... Oh mon dieu, qu'est-ce qu'il... Non, je me fais anticiper. Il est type poison, lui, ça se voit. Ah non. Hein? Mais t'es nul, alors. Allez, une orage. Rafiti. C'est mignon comme nom. Ok. Oh mon dieu. Néoxys qui s'incruste. Non. Il y a des gens qui font des dos. Cassez-vous! Mais non! Je peux pas couper ce moment! Je joue avec mes pieds! C'est le bordel! Quel bordel! Ne me faites pas de dos pendant que je joue! Surtout pas quand je fais ça! Oh mon dieu! PC électrique! Merde! Ah non, il est dragon! Ah non, il est pas dragon! Oh mon dieu! Michel Oiseau, non! Il est type... il est pas type électrique. Oh non, il a Bloodlust. Oh mon dieu. Ok, alors attendez. On va mettre... John Michon, ça fait longtemps. Mais quoi, il est pas type vol du coup. Bon bah du coup, je peux faire Dig. Il a peut-être Lévitation par contre. On va voir. Est-ce qu'il a Lévitation? Oh non, il monte. Non, c'est bon. Attendez. Ça fait 10 minutes que je joue avec les pieds. Ok, je peux rejouer avec les mains. Regardez quand même, hein. Regardez ce setup de l'angoisse pour jouer. C'est bon. Oh, ça fait du bien d'utiliser des mains. Oh, hey, mais c'est plus facile avec des mains, en fait. Vous avez vu? Regardez. Oh. C'est plus... Oh, écoutez,
Quel kiff! Oh, oh! 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 Magnifique. C'est un spectre, c'est un fucking spectre. Oh mon dieu. C'était quoi ça, Shadow Sneak? Oh les dégâts! Il rigole pas! En même temps, il est plus haut de niveau que moi. Trop stylé. Oh mon dieu! Mais John Michon, John Michon évidemment. Il est toujours là, John Michon. Flame Impact? Qu'est-ce que c'est que ça? Une attaque physique de type feu. Une priorité de type feu qu'à 65 de base power. Donc c'est stabé, donc c'est plus fort qu'extrême vitesse. Allez, vas-y. J'ai niqué Sylvain Durif. Putain, j'ai mal aux jambes. Ça ne peut pas être en train d'happening. Je suis trop nul en anglais. Comment je pourrais être aussi humilié par un enfant et une créature? Je dois m'enfuir. Mais ils vont me poursuivre. Tiens, reprends ce traducteur. Je m'enfuis, mais peut-être que la Team Rocket va m'engager. Oh mon dieu. C'était bien méchant. Hein. Garly, Garly. Tu peux me comprendre maintenant. Nous avons défoncé ces méchants humains. Bon humain, oui. J'avais entendu les cris des Pokémon. Et moi, je suis le libérateur. Putain, mais Garly Kid, je te veux dans mon équipe. Je te dois ma vie. Oh non. Oh oui. Il veut que je vienne avec lui. Il veut venir avec moi. Je vais l'appeler Échalotine. Non. Si, ça passe. Échalotine. Échalotine est dans mon équipe. Oh. Regardez-le. Waouh, il est trop beau. Il est trop beau. Il a trop des belles stats. Oh mon dieu. Échalotine. Oh, attendez, 3 secondes. C'est bon. Heureusement, j'ai été vite. Oh là là, c'est parfait. Très très bien. Donc on va attendre un peu avant d'utiliser Échalotine. Ah, quoique. Une cave? Encore une cave? Putain de merde. Qu'est-ce qu'il y a dans cette cave? Oh, c'est type glace, ça, non? On va voir. Je pense que c'est type glace. C'est quoi ces dégâts? Mais putain, mais... Mec... C'est... Ils sont au niveau 45 dans... A few moments later. Voilà, voilà. Non, mais... Ah, c'est bon. Non, c'est pas bon. Ne... Ok, attendez. One eternity later. Je suis perdu. Je suis perdu. Je sais pas où je vais. Mais j'ai pas cascade. Tu veux que je fasse quoi? Mais non, mais... Mais non, je suis venu ici pour rien. Je comprends rien. Je comprends rien. Ok, je comprends rien à la vie. Aidez-moi. C'est bon. Courage, fil d'ongle. Écoutez, voilà. C'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon. Fildon, ne perds pas espoir. Là, là, c'est la sortie. Ici, c'est la sortie. Bon, allez, on va s'arrêter là. J'aurais bien aimé arriver au bout de cette route, mais j'aurais pas le temps. Donc, plein de bisous. La semaine prochaine, vous avez le vote. C'est très important, parce qu'un Pokémon va quitter notre truc.